Hey, Matelot, ici et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel de construction d'une villa, d'une énorme maison moderne sur Minecraft Pouf, que vous avez derrière moi du coup, et voici un petit peu à quoi ça ressemble, avec une grande entrée en tour de verre s'il te plaît madame Avec voilà, deux parties de la maison comme ça qui, qui, qui se superposent l'une sur l'autre Et qui en fait, si vous regardez bien, c'est la même forme de maison l'une et l'autre vous voyez, on a une espèce de forme un peu comme ça en, en, en vue de par-dessus. Donc ce sont deux fois la même forme qui sont mis différemment les unes par-dessus les autres. Donc voilà, je trouvais ça assez rigolo de, de faire ça comme ça. Et donc voilà un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc voilà, alors en premier lieu, je vais vous donner la forme de la maison, véritablement de l'une des parties de la maison. Euh, qui vont s'enchevêtrer un peu comme ça vous voyez c'est à dire qu'il va y avoir trois parties une partie un peu en S comme ça au niveau du sol la partie par dessus qui va venir comme ça et une partie vraiment au centre pour faire la tour de verre en fait ok donc avec ça on va déjà partir avec la forme de base hop je vais virer les blocs du world edit pouf euh, pour vous donner vraiment les dimensions de la maison que l'on va commencer à faire c'est à dire qu'on va utiliser de la neige pour mettre une maison comme ça, c'est-à-dire voilà, je vais vous donner les dimensions tout de suite. Ok, donc une fois qu'on a ça, on va vraiment partir de là pour faire notre maison. C'est-à-dire qu'on va... Hop Il euh, n'y bah, a rien qui est vraiment compliqué en fait dans cette maison-là. Vraiment, une fois que vous avez le pattern, comme ça, les dimensions et tout, il suffira de suivre euh, voilà, une, un bête plan pour en faire la, les parties de la maison. Le, le problème, c'est que ça va juste être un poil compliqué. Mais vous, je vais vous donner tout ça. Hein, pour différencier les deux parties. C'est-à-dire comment placer l'une partie par rapport à l'autre en dessous. Mais ça va être vraiment tout. Je vais vous donner les dimensions, mais une fois qu'on a ça, en fait, une fois qu'on a notre première partie comme ça euh, au, au sol, on va juste la doubler de, de hauteur au niveau du sol comme ça. On va utiliser de la neige hein, pour faire ça. Et on va juste la doubler de hauteur. Voilà. Et on va, une fois qu'on l'aura doublé de hauteur, mettre des murs en bois et en vitre et en verre hein, tout simplement. Sur trois blocs de hauteur. Et après on remettra une couche de deux blocs de hauteur de neige. Et on aura fini notre première partie. C'est-à-dire qu'on mettra aussi un, un toit hein, quand même avec, euh, avec une terrasse en sandstone. Mais sinon, ça sera à peu près tout. Donc là, pour l'instant, on met juste une deuxième couche de neige. Ok. Et on, vraiment, l'entrée de la maison, on fera ça plus tard. Hein. Voilà, pour l'instant, on ne s'embête pas avec ça. Ça sera par ici, tu vois. Donc là, on va laisser ouvert. Mais sinon, c'est tout. En gros, une fois qu'on a fait ça, on va juste laisser trois blocs d'écart supplémentaires. Tu vois, là, là il n'y aura rien. Et on va remettre... Hop, à deux couches au-dessus, comme ça, tu vois, deux blocs de neige, hop, et on va refaire la même forme qu'en dessous, tu vois. On va refaire exactement la même chose qu'on a fait ici, mais à trois blocs au-dessus. Voilà, tout simplement. Hop, donc voilà, on fait ça, et on va faire, hop, la même chose, youp, euh, sur la longueur, normalement. Alors, si vous avez WorldEdit, évidemment, c'est plus facile de copier-coller. Oui, alors c'est vrai qu'on me demande plusieurs fois comment je fais pour copier-coller euh, les choses dans, dans Minecraft, parce que visiblement il y a encore, des, il y a encore du monde qui, qui découvre le jeu, ça c'est assez surprenant, mais euh, et effectivement il y a encore des gens qui découvrent le jeu. Donc effectivement vous avez des modes qu'on peut installer sur le jeu, hein, sur Minecraft, et qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite au niveau de la construction. Des modes comme World Edit ou Voxel et Sniper. Hop voilà, voilà, je vous laisse aller sur Google euh, voir ça si ça vous intéresse. En tout cas, voilà, moi, pour l'instant, je continue un petit peu ma forme. Je recopie tout ce qu'il y a en dessous, tout simplement. Voilà. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, véritablement, on va mettre le sol et le plafond pour cette partie là de la maison hop c'est à dire qu'on va utiliser les demi blocs euh, non pardon les, les blocs complets hein, de, de sandstone hein, ici comme ça et on va vraiment remplir toute la surface à ce niveau là vous voyez au niveau du plancher de sandstone et pareil à ce niveau là c'est à dire sur la partie supérieure de notre, mo de notre morceau en, en neige à ce niveau là tu vois sur toute cette surface là on va remplir de sandstone aussi là voilà je fais ça rapidement du coup Ok, et donc une fois qu'on a fait ça, qu'on a mis notre plancher, notre plafond en sandstone, on va devoir, euh, euh, comment dire, euh, voir où se trouve l'entrée véritablement de la maison en fait. Comme vous le voyez sur le, le modèle là-bas, hein, l'entrée est, <coughs> est une espèce de tour de verre, donc ça, ça fait classe. Et donc on va la mettre à partir de là, c'est-à-dire qu'on va juste repérer, vous voyez le coin comme ça de la maison qui commence à partir, en, qui commence à se retourner, et à partir de là, on va pouvoir mettre un espèce de cercle. Tu vois, donc, je vais te montrer ça. C'est à dire que on va prendre le coin, enfin la, la partie plate de la maison, tu vois. Ok, là il y a une barre de 3, une rebarre de 2, une barre de 1. Enfin, c'est pas, pas une barre du coup, c'est juste un bloc. Et là il y a une deuxième barre de 2. Ok, <laughs> à partir de là, on va mettre deux blocs comme ça. Ok, puis après 5 en diagonale. On va remettre deux comme ça sur le côté. On va remettre deux mais euh, en diagonale, tu vois, comme ça. Puis re 5. Ok, re 2 comme ça. Et après, si il euh, y a les murs qui bloquent pour continuer le cercle, bah, tout simplement, on casse les murs. Il hein. n'y a absolument aucun problème avec ça. Pouf 1, 2, 3, 4, 5. Ok, tu commences à comprendre la musique. On en met 2, puis re 2 en diagonale, puis re 5. Hop, 4 et 5. Re 2. Ici, il y a les murs qui sont tout à l'intérieur du cercle qui nous embêtent. Donc on les enlève, tout simplement. Ok. Et à partir de là... Euh, on va bah, mettre de la sandstone déjà à l'intérieur du cercle <laughs> déjà à l'intérieur de hop, de l'entrée hop on enlève aussi les blocs qui a en dessous les vitres hein. euh, hop parce que du coup on va aussi prolonger la forme de l'entrée le, sur le devant de la maison pour mettre de la sandstone un peu partout ok hop, voilà alors du coup voilà je fais ça rapidement voilà on place la sandstone comme il faut voilà Ok, ok, et donc une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement monter les murs en tout cas de, la, de notre entrée au moins sur ce côté-là de la maison. Euh, en fait, l'idée hein, ça va être de, de faire les murs, hein, de finir cette première partie de, de maison avant de faire la partie du dessus. Euh, donc, on fait ça rapidement, mais on va pas finir la tour de verre tout de suite, hein. on va vraiment mettre la tour de verre jusque ce niveau-là à peu près hein, c'est-à-dire voilà un peu en dessous des blocs de neige mais pour l'instant euh, je vais pas la continuer donc vous pouvez vous la mettre en stand-by si jamais euh, vous voulez la faire plus tard il hein, n'y a pas de souci moi je vais juste faire l'entrée hop voilà et alors du coup on va monter les murs jusqu'au plafond du moins à l'intérieur de la maison ok et après on fera des ouvertures à l'intérieur hop Youp ok et ici, ok. Voilà. Donc là, on a collé les murs au plafond et va tout simplement hop, ouvrir une entrée à ce niveau-là. Voilà, même ici sur le côté. Et ici aussi, du coup, hein, sur trois blocs de hauteur. Et on aura notre entrée de la maison, du coup, c'est-à-dire qu'on passera par là directement. Ok, donc là, on est bon. Euh, du coup, maintenant, on va utiliser les blocs de... Euh, de, de comme ça, hein, c'est à dire, euh, attendez, je vais regarder quand même sur mon modèle ce que j'ai utilisé parce que des fois je me gourre entre les blocs de sapin et les blocs de chaîne euh, sombre. Donc là, c'était vraiment des blocs de sapin, ok, du bois de sapin. Et on va faire des grands pans de mur espacés de grandes fenêtres en fait pour donner vraiment un aspect minimaliste et moderne. Hop, c'est à dire que voilà, sur les côtés de, euh, de la tour de verre, on va vraiment mettre. Les murs comme ça jusqu'au plafond sur une dizaine de blocs euh, en suivant la courbe de la maison, c'est-à-dire un bloc vers l'intérieur, tu vois. Donc à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, on va jusque-là à, à peu près. Tu vois, donc vraiment à l'intérieur de la maison, à un bloc, histoire de donner un relief entre les bords en neige et, euh, et les murs à l'intérieur de la maison, tu vois. Hop, c'est-à-dire que voilà, on va les faire comme ça. Et voilà, là, il va y avoir un bord entre le, le mur en bois et le mur en neige, et donc ça permet de mettre du relief, ça c'est pas mal. Alors, du coup, voilà, on va hop, prolonger les murs ici. Voilà. Et on va mettre des grandes fenêtres aussi. Hop, très, 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 très longues. Sur tout le côté de la maison, tu vois. Euh, jusque là-bas. Et mettre. Euh, on va juste déjà mettre les murs en fait. Et on mettra les fenêtres entre les murs tout simplement. Donc ici sur la longueur, euh, ce qu'il faut gérer c'est est-ce qu'on a envie de mettre le bord là-bas en fenêtre ou euh, en mur, en fait ça va être surtout ça. Donc euh, bah là j'ai envie de le mettre en fenêtre. J'ai envie de mettre tout le bord là-bas en fenêtre. Donc du coup le mur ici qui va coller à la partie de l'entrée, on va l'allonger quand même. On va l'allonger d'une certaine longueur, jusqu'à peu près là, on va dire, pour que toute cette partie-là soit éclairée. Donc on va enlever ça aussi, pourquoi pas. Et jusqu'à à peu près le milieu de cette longueur-là, on va mettre un grand, grand mur. Hop Voilà, donc il faut gérer en fonction de l'éclairage et en fonction de l'aspect euh, esthétique, évidemment, <laughs> de la maison. Donc, euh, mettons qu'on veuille mettre un mur jusque. de l'autre côté. Alors, à partir de l'autre côté, où est-ce qu'on met notre mur À peu près à partir de là, quelque chose comme ça. Et qui partirait par là-bas. Le truc, c'est que du coup, il faudrait augmenter la taille de ce mur ici hop jusque ouais à peu près la même que l'autre côté donc jusqu'ici à peu près on va mettre voilà donc là c'est vraiment euh, au feeling hein, c'est comme vous le sentez pour la taille des murs voilà hop l'idée c'est de mettre une grande fenêtre au niveau du bord voilà de, de notre partie arrondie et sur les côtés un peu comme ça bah, on va mettre des grands pans de mur donc ici par exemple à partir de la moitié de ce de ce pan de mur là jusque bah, tout l'arrondi ici voilà on va mettre un grand mur jusque là par exemple et tout le reste là bas ça sera une fenêtre et après la pointe là bas ça sera un mur par exemple hein, on peut faire des trucs comme ça hop donc voilà je mets hop jusqu'au plafond ok donc une fois qu'on a fait ça on va laisser une vitre ici enfin une fenêtre tout le long là par exemple de notre de, du mur et par exemple jusqu'ici on va rajouter un mur. Euh, on va rajouter un mur en fait sur le côté, de chaque côté en fait de notre morceau de verre ici comme ça. Et on va plutôt partir de là. C'est-à-dire qu'on va vraiment faire le tour ici par exemple de l'arrondi, ok, et rejoindre à la partie en verre, ok. Et on va faire jusque là. On va faire, voilà, on va prendre tout l'arrondi jusqu'au euh, jusqu'à l'entrée. En mur, comme ça, voilà. Ça permet de voir une une idée claire de ce qu'on va faire, voilà. Et on va tout simplement monter les blocs de bois jusqu'au plafond pour vraiment bah pour faire le mur, tout simplement. Allez, hop, on fait ça ici aussi. Ok, donc voilà un peu ce que ça donne depuis l'extérieur. Hein. Tu vois les murs qui sont euh, qui sont plutôt propres hein, quand même. Voilà. Et donc voilà, euh, comme il reste d'énormes trous ici à ce niveau-là et un peu partout, eh bien du coup on va mettre des grandes fenêtres dedans. C'est-à-dire qu'on va voilà tout simplement utiliser les vitres, hein, les blocs de vitres carrément, les blocs de verre, hop parce que bah voilà, les fenêtres en les fenêtres toutes fines comme ça, les vitres toutes fines sur Minecraft, ça passerait pas très bien avec euh, avec la maison finalement. Donc voilà, les grands Grande partie où il n'y a rien, on va tout simplement mettre du verre partout, voilà, sur la maison. Rien de bien compliqué, hein, comme tu peux le voir. Il suffit juste de les poser au sol et de les faire monter jusqu'au plafond, coller contre la paroi de la maison. Voilà, voilà, dans l'idée, rien de bien ouf. Voilà, hop. Yup, je te fais ça sur tout le long de la maison. Du coup. Ok, donc voilà un peu ce que ça donne. Du coup, je vais faire un petit peu le tour. Hop. Donc tu vois, hein, tout simplement avec du avec du verre euh, sur le côté, ça rend plutôt bien. Alors maintenant, du coup, on va voir vraiment la partie la plus. Euh, enfin, dire on va mettre la deuxième partie tu vois de la maison par dessus c'est à dire qu'il va falloir utiliser la même forme mais la tourner un petit peu entre guillemets pour la la coller un petit peu de manière différente par rapport à la maison tu vois donc ça veut dire que là tu vois la première forme ici c'est la forme au sol et là la forme par dessus là bah, c'est la forme qui va être par dessus du coup euh, et donc du coup il va falloir savoir comment ajuster l'une par rapport à l'autre en fait tu vois et donc du coup on va juste utiliser un petit truc euh, voilà, je vais prendre un repère et on va partir de ce bloc là, tu vois. Le bloc qui est vraiment au niveau du, du, du coin, hein, enfin, vraiment au niveau du bout du bout du truc. Euh, et on va reprendre exactement après les mêmes formes que, euh, que la première maison, hein, tu vois. Mais on va déjà mettre, on va déjà dire où se trouve ce, cette partie là de la maison, tu vois, par rapport à l'autre. C'est à dire que, en gros, tu prends cette barre là qui est à l'entrée, la longue barre de l'entrée ici à ce niveau là. Ok, tu prends la barre de 3 qui est sur le côté juste derrière. Donc de l'autre côté de l'entrée, hein, tu vois, cette barre de là. Ok, on va partir de là et on va compter 24 blocs. à partir de ce bloc là, tu vois, à partir de ce bloc là, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ok, donc à partir de là, on va remettre un bloc de neige tout simplement par-dessus et on va faire hop. Hein, euh, la barre de 4 donc c'est la barre de 4 blocs qui euh, est sur les bouts en fait hein, tu vois de ces, ces côtés là ou ce côté là de, de, la, de la maison et donc du coup voilà enfin il va falloir reprendre exactement la même forme tout simplement comme on avait vu au départ donc il va falloir revenir hein, sur la vidéo pour reprendre exactement les mêmes formes de la maison euh, pour, pour, la faire, pour faire le pattern donc voilà hein, par exemple sur le côté là on met deux blocs après on en met un puis on en remet deux puis on en remet trois tu vois, la même chose de l'autre côté, 1, 2, 1, hop, 2 et 3, puis après tout sur la longueur, je ne sais plus combien il y en a sur la longueur, euh, voilà, de ce côté-là aussi il y en a une dizaine, après ça, ça part, en... ça part euh, rejoindre un petit peu la forme de l'entrée la... de finalement, parce que l'entrée est en rond, c'est justement fait pour ça, tu vois, c'est que le... la forme de notre maison épouse la forme de notre entrée, donc c'est pour ça. Voilà, donc je te fais ça rapidement, du coup il faudra reprendre tout simplement les dimensions que j'ai données tout à l'heure. Et donc voilà, hein, on reprend ce même, euh, même schéma-là, ce même pattern. Et donc bah voilà, on va refaire exactement du coup la même chose que pour la première partie de la maison, c'est-à-dire on va vraiment mettre deux couches de neige comme ça, puis après trois couches euh, de hauteur avec des murs et des, et des fenêtres, et après re, deux couches de neige au-dessus. Hop, donc voilà. Hein. Voilà, donc on va faire ça euh, tout de suite. Hein. Moi, je vais remettre une deuxième couche de neige ici, du coup. Youp Ok, donc voilà, hein, tout simplement, on met les couches de neige là où il faut. Donc voilà, du coup maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre les planchers hein, pour, pour ce niveau là de la maison. Sauf que pour le truc, euh, c'est qu'on va pas mettre de sandstone en fait. Parce que du coup, lorsqu'on va arriver à l'entrée, ici comme ça, tu vois, on va voir tout le dessous aussi de la maison. Et donc du coup, bah, si on voit de la sandstone, bah ça serait un petit peu... ça gâcherait un petit peu le, le côté euh, bien. Quoi, si tu veux. Par exemple, du coup, la tarée, de la neige surtout de la longueur et de la sandstone au milieu, ça, ça ferait pas terrible. Donc l'idée ce serait de mettre... Tout le plancher ici à ce niveau-là, tu vois, en neige, sur toute la longueur à ce niveau-là. De l'autre côté, pareil. Hein, de l'autre côté de la maison qui est surélevée, pareil. Et on va laisser au centre, tu vois, de la sandstone, tout simplement, puisque c'est le plafond de la partie du dessus, tout simplement. Donc voilà, sur cette partie-là et sur cette partie-là, on va mettre de la neige. Hop, tout simplement. Voilà, à ce niveau-là. Hein. Et euh, comme ça, ça va faire plutôt un bon effet. Voilà, moi je te le dis. Tout simplement. Et donc voilà, on s'arrête hein, tout simplement là où il y a euh, le niveau de neige à ce niveau-là. Voilà. Et tout l'intérieur, tout pareil de l'autre côté, hein, tout l'intérieur, du coup, on met en neige. Ok. Donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir mettre le, le toit, hein, définitivement, du coup. Euh, le toit, il va tout simplement se faire en herbe. Voilà. Youp, voilà. Donc on prend de l'herbe et on va le mettre au-dessus du truc. Alors, juste que. Voilà. On va. Euh, on... alors il y aura l'entrée aussi qui va prendre qui va prendre sa place mais voilà pour l'instant on, euh, on va mettre de l'herbe à ce niveau-là donc vraiment sur la partie supérieure de de la neige hop voilà donc ça on va mettre de l'herbe comme ça sur toute la surface de la maison hein, tout simplement voilà hein, un petit peu l'histoire du du truc voilà on fait ça rapidement hop Ok, donc une fois qu'on a ça, bah on va continuer un peu comme on avait déjà fait sur la maison, sauf que du coup, bah, il va falloir euh, prolonger l'entrée, tu vois, l'entrée de la maison qui, est, qui reste la tour de verre, hein, un peu l'emblème de la maison, et bien finalement, on va devoir l'installer quand même. Et euh, tu vois que ça va prendre un petit peu, tu vois, il y a la partie de la maison ici, là qui est par-dessus euh, la tour, finalement, et ça c'est normal, hein, c'est vraiment fait pour, on va devoir enlever tout ça, on va devoir casser tous les murs qu'il y a. Euh, à ce niveau là au dessus du coup de l'entrée et euh, c'est normal hein, c'est vraiment fait pour la tour de de, de, de l'entrée est vraiment faite pour s'incruster à l'intérieur de la forme de la maison mais du coup moi voilà je vous je vous ai fait faire ça parce que sinon ça aurait été trop chiant de faire euh, de faire tout le tout le tour autour de la de l'entrée au niveau de la forme principale donc du coup je fais euh, j'ai fait au plus simple donc voilà on va juste ouvrir autour de la de l'entrée comme ça et on va mettre les, euh, comment ça les, les murs ici là où il faut donc ici là ça colle bien ok hop et ici sur le côté on va vraiment faire tout le tour de l'entrée à ce niveau là creuser dans le, dans le sol du coup ok ici comme ça aussi euh, quoique donc les, les murs les, les, les blocs de coin comme ça au niveau de la terrasse en sandstone on va les mettre hop comme ça en sandstone Ok, et donc voilà, il va, va, va falloir vraiment laisser de la place pour l'entrée, l'entrée principale de la maison. Et il va falloir mettre aussi la neige comme ça sur deux blocs de hauteur, hein, ça on oublie facilement. Hop. Voilà. Ok. Et donc du coup va, voilà, on va tout simplement prolonger la hauteur de la tour de verre, tout simplement un peu à quelques blocs au-dessus du toit hein, en, en herbe. Jusqu'à à peu près deux blocs au-dessus du toit en herbe. Pouf pouf comme ça, tu vois. Là, je sais plus à combien je l'avais mis là-bas, mais ça doit être un truc à peu près pareil. Deux ou trois blocs au-dessus. Hein, on va peut-être mettre trois blocs pour voir. Voilà, trois blocs au-dessus du toit en herbe et on va mettre on va faire monter la tour comme ça jusqu'à cette hauteur-là. Voilà, tout simplement. Youp. Donc voilà, je l'ai fait ici aussi le la forme hein, tout simplement. Hop, 2 2 3 4 5, hop 1 2 1 2 1 2 3 4 5, OK. 2 Hop. Et voilà. Donc on a vraiment cette forme là, et il va falloir tout simplement boucher le la tour en vitre, en vitre bleue. Hein, du coup, le, le bleu ça passe plutôt bien avec le reste de la maison. Voilà, hop, il suffit de faire du remplissage maintenant. Hein. Ok. Et donc euh, voilà, on a monté notre tour de verre. Et il faut juste pas oublier de reboucher aussi le dessus, hein, ainsi comme ça, tu vois, euh, que le, la tour soit pas ouverte sur le dessus, ça risque d'être euh, problématique sinon. Ok donc une fois qu'on a fait ça au niveau de notre deuxième partie de la maison ici comme ça on va tout simplement mettre les, les murs hein, tout simplement euh, Voilà donc on va les mettre les murs un peu de la même façon qu'on a mis sur la partie du dessous hein, C'est à dire on va vraiment faire coller les murs en bois sur le côté de notre entrée en verre Alors du coup il faut faire l'entrée ici Tu vois donc on va faire l'entrée ici comme ça Hop sur trois blocs Hop Voilà donc on va ouvrir Et ici on va mettre le prolongement de, du sol, hein, de la plateforme, et autour en fait de, de la tour, ici comme ça, on va faire un espèce d'escalier euh, euh, qui va longer les parois de la tour pour venir jusqu'ici en fait. Voilà, et donc là, ça sera vraiment l'entrée pour le deuxième étage. Ok Et donc, on va faire une entrée à partir de là, c'est-à-dire qu'à partir de là, du coup, il va y avoir les murs, on va faire les murs à partir de l'entourage de l'entrée, ok donc, à partir de là, voilà, jusqu'à une certaine euh, distance. Et de l'autre côté aussi, pareil. Hop, ici. Alors, sauf que ici, tu vois, là, on est sur le, le morceau qui va rejoindre avec cette partie-là de la maison. Euh, là, en fait, on va mettre une terrasse. Ok Et donc, il va falloir faire une entrée à ce niveau-là, tu vois. Donc, on va ouvrir euh, tout ici. Et il faudra faire un mur comme ça qui va se plonger du coup sur les côtés. Mais il faudra laisser une ouverture quand même. Donc on va faire ça hop et hop le problème c'est que ici juste au niveau euh, de entre la entre la tour et le mur bah finalement il y a une espèce de bloc de décalage donc ça c'est un petit peu embêtant on peut tout simplement le boucher en mettant des euh, des, de, de la neige comme ça ou en prolongeant le mur c'est comme vous voulez parce que le problème c'est que ça fait des connexions de textures dans les deux dans les deux cas donc finalement voilà c'est un peu comme vous voulez euh, moi j'utilise le bois plutôt pour mettre pour réduire l'écart entre la tour et le et le mur donc voilà un peu euh, comme tu vous le voulez euh, ici tu vois on va prolonger le mur jusque là à peu près hop, et on va le monter jusqu'au mur jusqu'au plafond plutôt Sachant que le plafond il va falloir mettre aussi un demi-bloc de quartz sur toute la largeur, sur toute la, la surface pour pouvoir camoufler euh, la terre hein, qu'on voit par-dessous, ce qui n'est pas très euh, ce qui est pas terrible, terrible d'un point de vue esthétique. Hop hop ok. Et on va combler ici ce qu'il faut. D'accord, donc là on peut même ouvrir, il hein, n'y a pas de, pas de problème. Ok. Voilà et on voilà donc on va prolonger un peu les murs ici par exemple on va les prolonger ici aussi sur une dizaine de blocs euh, voilà donc on va les prolonger jusque là à peu près pour en laisser vraiment tout l'arrière comme ça en vitre et on va reprendre de l'autre côté du coup au niveau du mur à peu près à la même hauteur ok voilà tu vois à peu près à la même hauteur le mur que de l'autre côté et on va vraiment faire le mur sur l'ensemble de l'arrondi qu'il y a entre les deux parties Ok, jusque-là. Et on va mettre... Euh, on va laisser une fenêtre tout jusqu'ici. Et on va mettre un petit morceau de mur ici. Pourquoi pas euh, Pour équilibrer un, à peu près, si j'arrive à placer les blocs où je veux, dis donc. Voilà. Ici jusque-là, par exemple. Ça devrait le faire. Voilà. Donc euh, on va monter les murs jusqu'au plafond maintenant, du coup, pour pouvoir... Hop, pour pouvoir bah, avoir des murs tout simplement, et hein, pour pouvoir faire les fenêtres après derrière. Hop, alors oui, il faut que j'arrive à. Mais voilà, <laughs> j'arrive pas à placer les blocs où je veux, ça c'est vraiment terrible. Hop, ok, ici aussi pareil, du coup, on va monter les murs. Ok, voilà, et donc, une fois qu'on a monté les murs, on va tout simplement rajouter des vitres et des blocs de verre entre les murs, histoire de, de faire les fenêtres, hein, tout simplement. Voilà. Hop, voilà, comme ça. Et ce, sur tous les emplacements qui laissent la place pour mettre des, des murs en, en verre, comme ça, tout simplement. Voilà. Comme pour la première partie, finalement, il n'y a, y a, a aucune différence là pour le coup. Voilà. Et pareil, y a dans tous les coins, ici, là-bas, là-bas, et bah, là-bas, du coup, c'est une entrée, donc, il n'y a pas besoin. Hop. Et donc, du coup, une fois qu'on aura fait ça, on va aménager l'extérieur de la maison, la terrasse. Et le toit, notamment. Voilà. Je finis ça rapido, du coup. Youp. Allez. Voilà. Donc, je vais faire les autres, les autres parties de la maison rapidement. Voilà. Ok. Donc, voilà. Une fois qu'on a mis les verres en place. On va pouvoir passer vraiment aux finitions de la maison, hein, c'est-à-dire vraiment on va fignoler l'entrée, on va faire un peu une sortie pour l'arrière de la maison, tout ça, tout ça. Donc voilà, moi ce que je vous encourage à faire c'est de prendre au niveau de l'entrée en fait. On va essayer de faire une espèce de petite place comme ça autour de la tour de verre, euh, qui va être en sandstone aussi, et qui va euh, voilà, être bordée par, euh, par, de la, par de la neige. Alors du coup voilà, on va essayer de faire un rond en fait à peu près, à peu près propre. Par exemple, là on est collé au, au, à la tour, on va prendre 1, 2, 3, 4. De bloc de, de marge, hop, et on va essayer de faire une espèce de forme comme ça qui peut être sympa. Donc, 1, 2, 3, 4. Hop, là, je fais la même chose que, que ce que je vois sur la tour, et on va essayer de faire un espèce d'arrondi comme ça qui, qui peut être sympa. 2, 3, voilà. Donc, là, c'est un petit peu au feeling. Voilà comme ça par exemple, hein, c'est-à-dire en reprenant cinq blocs ici comme ça décalés de quatre blocs par rapport à la tour et après voilà trois blocs sur le côté, trois blocs en diagonale, trois blocs comme ça et re trois blocs ici comme ça. Hop 1 2 3 et hop. Et là du coup, on a une espèce de d'ouverture autour de notre de notre tour qui peut être sympa. Donc on va remplir ça de de neige et tout à l'intérieur de de ce cercle là, on va remettre de la sandstone pour faire une espèce de une espèce de cours en fait devant la maison qui va être tout en sandstone ça peut être sympa hop voilà allez alors ouais le truc c'est qu'évidemment il faut éviter de casser le verre surtout en survival parce que bon, voilà on refait un je crois que la, le verre n'est pas dropable sauf si vous avez euh, une euh, un enchantement particulier mais bon ça les enchantements je vous avoue j'y connais tellement rien qu'il faudrait vraiment euh, hop Vas-y, vas-y, il faudrait que je m'y mette, par contre ça a l'air d'être intéressant sur certains points, ok, voilà, donc une fois qu'on a ça, bah du coup, on a notre petite entrée qui peut être sympa, voilà, ça, ça égaye un petit peu plus l'entrée, ok alors on peut aussi rajouter des piliers de structure par exemple qu'on pourrait mettre euh, en argile hein, par exemple par exemple en argile euh, cyan, bah, alors là du coup sur le pack de textures il est gris, mais euh, un bloc gris hein, peu importe que ce soit la, la pierre ou, euh, ou la 98 je sais plus comment ça s'appelle, la stone brick. Et euh, on peut la mettre en dessous, tu vois, par exemple, au niveau de notre, de notre partie surélevée, là, tu vois, ça serait un peu bizarre qu'elle euh, qu tienne dans les airs comme ça. Donc, l'idée, ça serait de mettre des piliers, un gros pilier à peu près au milieu, là, un gros pilier, hop, qui ferait trois blocs de longueur sur deux blocs de large, histoire de vraiment faire croire qu'il qu est soutenu le truc. Ok, donc on va faire ça exactement de la même chose de l'autre côté aussi, évidemment. Hop. Hop. Et hop ok Tu vois ça paraît un peu plus crédible Et on va faire la même chose de l'autre côté hein, De la maison Et après on va vers la, la terrasse Ainsi que l'ouverture à l'arrière Parce que tu vois ici là on a une espèce d'ouverture qui peut être faite Qui serait couverte du coup par la Par la, la maison elle même Donc ça ça peut être pas mal On va faire un peu la même chose que sur la tour de verre C'est à dire qu'on va prendre de la laine, enfin de la, du verre bleu Pour pouvoir faire Une entrée hop tout en arrondi, voilà. Donc là, j'ai mis un pilier de structure vers le milieu de, de la maison, ça, ça marche plutôt bien. Ok. Donc voilà, je vais reprendre le verre bleu qui a au niveau de la tour. Hop, et on va au niveau de l'arrière, tu vois, ici à ce niveau-là, faire une espèce d'ouverture aussi. C'est-à-dire qu'on va partir de, du mur tout simplement et on va faire une espèce d'ouverture comme ça. Hop, hein, voilà sur deux blocs, après trois sur deux. Et on va essayer de la centrer à peu près. Donc là, elle est à peu près centrée. Donc il faudrait la décaler peut-être d'un bloc ou deux sur le côté. <laughs> Pouf. Comme ça. Voilà, donc on essaie de la centrer par rapport au, par rapport au bâtiment. Hein. Et voilà, on va faire une entrée comme ça qui va vraiment coller au mur. Ok. Allez, monte au mur. Ok. Voilà. Et tu vois, ça fait une espèce de forme de tour, hein, mais, euh, mais collé au, au mur tout simplement. Voilà, donc on a une espèce de forme comme ça. On va ouvrir sur les trois premiers blocs de hauteur. On ouvre tout ça évidemment. Voilà. Et on va aussi évidemment délimiter l'entrée elle-même par des blocs de verre, par des blocs de, de neige plutôt. Hop, voilà, on enlève tout ce qu'il faut, tout jusque-là. Voilà, j'enlève ça rapidement du coup. Et on va... Rajouter des espèces de bordures ici, tu vois, comme ça. Hop, en neige, histoire vraiment de, de marquer l'entrée. Hop. Je l'ai pas mis sur le même moteur des deux côtés, j'ai l'impression. <laughs> voilà, hop, ok. Donc là, on ouvre. Et on commence à être pas mal, ok. Voilà, là on commence à avoir un truc à peu près sérieux. On ouvre aussi ici tant qu'à faire. Et, euh, Ok. Ok, ok. Donc ici on va prolonger peut-être en neige, histoire de faire un truc un peu plus joli. Ok, là on commence à avoir une vraie, une véritable ouverture. Là c'est bon, là on commence à faire des choses. Ok, donc là on ouvre aussi. Ok. Et là, du coup, on obtient une ouverture sur l'arrière de la maison qui est pas trop trop mal, hein, qui est pas trop dégueu. Hein, on peut le dire, on peut le dire. Ok, donc une fois qu'on a ça, on va rajouter quelques... On va rajouter des choses au niveau du toit de la maison, hein. le toit qui est tout en herbe, et bien du coup on va pouvoir utiliser des blocs de feuilles, ainsi que de la bonne mille, de la poudre d'os hein, pour le coup, hop, de l'engrais. Et on va rajouter des feuilles un peu comme ça, un peu partout, des, des, des blocs de feuilles de deux blocs de haut, histoire de rajouter un petit peu de volume au toit. Hop, hop, et euh, hop aussi par là-bas. Et on va aussi en faire tomber euh, des feuilles un petit peu partout. Euh, vous savez, si vous suivez un peu la chaîne, du coup que ce genre de truc là, par exemple, voilà, de faire tomber des feuilles un peu comme ça sur le côté de la maison, c'est quelque chose que je fais vraiment tout le temps quasiment. Et euh, du coup, voilà, on va le faire un petit peu, un petit peu de tous les côtés, en n'en mettant pas trop, trop non plus hein, de feuilles qui tombent comme ça sur le côté de la maison. Ok. On va en mettre, voilà, 2, 3, 4. Et on va aussi en mettre au niveau des rebords qu'il y a au niveau des étages. Par exemple, vous voyez devant la fenêtre, ici, vous avez toujours un espèce de rebord sur tout le long de la maison. Là, pareil, on va mettre des feuilles qui tombent un petit peu. Ok. Voilà. Voilà, on en met... On n'en met pas trop non plus parce qu'effectivement, si on en met à tous les étages, tous les niveaux, bah, ça risque de surcharger un petit peu. Donc, il faut pas en mettre trop trop, hein. mais on en met quand même un petit peu. Et ça passe bien. Alors, sur le côté de la terrasse aussi, on va en mettre, mais on va aussi en mettre directement ici, tu vois, sur le rebord du premier étage. Euh, encore une fois, pas trop, hein. on va en mettre vraiment euh, juste ce qu'il faut, juste un petit peu. Trois ou quatre, à peine. C'est tout. Et de ce côté-là aussi, on en met une. <laughs> ok. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ça, du coup, on va pouvoir mettre de la poudre d'os partout sur la surface de... De la maison et on va aussi mettre euh, pas mal de d'herbe de, à deux blocs de hauteur pour rajouter encore une fois du volume à la maison ok donc là je fais vraiment le centre on peut même faire des cultures si vous voulez sur la maison faire euh, pousser des trucs si vous êtes en survival mais bon après ça risque d'être un peu moins esthétique voilà donc je rajoute pas mal de 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 poudre d'os pour pouvoir euh, faire monter les herbes à deux blocs de hauteur comme vous pouvez le voir, ça commence à venir un petit peu. Hop, pas trop non plus, mais euh, voilà, ça, ça permet de faire des choses. Et vous voyez que ça donne beaucoup plus de vie quand même à, au toit et à la maison de manière générale. Ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Ok, donc du coup, on va faire un peu la même chose. C'est-à-dire sur cette terrasse-là, on va mettre une espèce de bordure en, en herbe comme ça sur tout le long de la maison, à partir de ce bloc-là, vous voyez. À partir de ce coin-là, on va hop, creuser dans le sol et on va... Mettre une bande de 3 ou 4 blocs de large sur toute la longueur de la maison, ici comme ça. Allez, voilà, jusque-là. Que l'on va mettre du coup en neige. Et à la place de la sandstone dans l'espèce de bordure qu'on a fait tout autour, eh bien, donc dans cette, dans cette partie-là, hein, tu vois, eh bien, on va enlever la sandstone et on va mettre de l'herbe à la place pour faire pousser des choses, encore une fois, pour rajouter des touches de verdure à la maison. Hop, pour la rendre un peu plus moderne dans l'idée. Alors en évitant de casser les murs comme je suis en train de faire. Tant que faire se peut. Hop. Ok, alors. Il est où le. Les blocs d'herbe de f... de... Si je ne me... si je... Si je tombe pas trop. Hop, voilà. Et on va rajouter du coup. Euh, comme pour le toit, hein, tout simplement. Des feuilles et de la poudre d'os. Hop, ok, tu vois, ici, elle a surtout de la longueur, voilà, donc on va rajouter de la poudre d'os en brasse, ainsi que de trois feuilles, hein. pouf, comme ça, hop, et des feuilles, évidemment, qui tombent aussi de la terrasse, ok, voilà donc une fois qu'on a fait ça, du coup, vous voyez que là tout de suite la maison elle prend beaucoup plus de tronches, ça j'aime bien <laughs> dans l'idée. Alors une fois qu'on a fait ça du coup on va pouvoir utiliser encore une autre petite astuce de décoration qui va être de mettre des. une terrasse semi-couverte, c'est-à-dire qu'on va mettre des espèces de. de, de... de lamelles de bois au-dessus de la terrasse et qui va permettre de... de faire des choses. Vous voyez par exemple ici, on va prendre des piliers en bois de sapin et on va utiliser des demi-blocs de bois de chêne pour faire un espèce de, 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 de terrasse semi-couverte comme ça, vous voyez ça donne un aspect, euh, un aspect sympa parce que c'est à moitié arrondi et euh, c'est un peu dans le prolongement des, des formes de la maison donc c'est plutôt agréable je trouve. J'avais mis euh, peut-être une, une bande d'herbe un peu plus prononcée sur le, sur le modèle mais c'est pas bien grave. Euh, vous pouvez évidemment faire vos, euh, vos verdures sur la maison un peu comme vous voulez finalement. Euh, voilà, donc moi je vais utiliser des piliers. Alors il y a deux, trois règles à respecter pour faire des piliers comme ça. C'est-à-dire qu'on va les mettre euh, à trois blocs d'espace les uns les autres. Voilà. Euh, mais dans un, certain, dans un certain sens comme ça. Par exemple, dans ce sens-là, on va les mettre tous euh, à trois blocs de différence. Par exemple, je peux les mettre à trois blocs ici ou je peux les mettre à trois blocs là, par exemple. Tu vois, là ça fera une beaucoup plus grande distance que si je les mets à, à ce niveau-là, mais on va laisser trois blocs dans ce sens-là. Ok voilà, donc je vais les mettre euh, ici à peu près. Voilà, à peu près à hauteur de la, du toit. Hein. Ok, donc 1, 2, 3 sur le côté. Donc je peux les mettre ici, par exemple, le pilier. Voilà, et on va mettre un quatrième à trois blocs d'espace. De, à ce niveau-là. Ok. Jusque-là, on est bon. On est bon, on est bon. Alors, on va reprendre du coup maintenant les demi-blocs de bois de chêne classique. Et on va. Les mettre sur le côté, tu vois, de, le, de notre bloc ici, comme ça, on va même le mettre à un bloc en dessous et on va les prolonger sur une certaine longueur en fait, sur la, toute la longueur de la terrasse ou presque, hein, pas tout à fait non plus, mais tu vois, sur une bonne longueur quand même hein, à l'arrière aussi, tant qu'à faire et aussi de chaque côté de pilier, comme ça, de chaque côté du pilier. Alors, on va faire, on va en faire plein au début et après, on va tailler dedans, hein, tu vois, on va faire une espèce d'énorme forme comme ça euh, de. de, 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 de demi bloc de bois hein. et après on va tailler la forme en arrondi dedans hein. pour l'instant je je, je je ne je ne calcule rien du tout je les mets euh, comme euh, comme euh, bah, comme je peux les mettre tout simplement et après on verra bien voilà donc je fais des plaçages de blocs voilà Ok donc une fois qu'on a placé nos lamelles de bois comme ça à côté de nos piliers on peut remarquer qu'à ce niveau là tu vois il y a une espèce de trou entre le premier pilier et la maison finalement et donc on peut tout simplement faire coller d'autres lamelles de bois comme ça à la maison directement comme ça. Voilà pourquoi pas, on n'a pas de restriction. Et pareil à ce niveau-là, en les faisant, en les déplaçant à chaque fois de un bloc entre chaque, tu vois toujours. Voilà, jusque là. Et donc là on est bon, tu vois, on a une espèce de de terrasse semi-couverte. Alors maintenant, il va falloir donner une forme un peu à la terrasse histoire que ça donne quelque chose de plutôt bien. Donc ici, par exemple, on peut couper à ce niveau-là, tu vois, pour être un peu dans, le, dans la forme, dans la lignée de la forme entre les trois premiers là. Ici, pareil, on peut mettre hop, un truc comme ça, un truc comme ça. Alors là, c'est peut-être pas assez euh, un pas assez éloigné. Ici, on en met un truc comme ça. Ok. Hop. Et ici, on peut mettre un petit... Et ici... Un truc comme ça. Et tu vois, là, tout de suite, ça donne un aspect un peu plus sympa au niveau de, de l'avant. Au niveau de l'arrière, on n'a pas encore bouché. Donc, du coup, je peux, ce que je pensais, c'est de reprendre tout simplement la forme de la maison. Tu vois, faire en sorte que les blocs à l'arrière s'arrêtent au niveau de la... De la forme de la maison, tout simplement. Hop. Ouais, enfin en respectant quand même une certaine forme entre eux aussi, si c'est possible. Euh, à l'arrière, est-ce qu'ils ont une belle forme Ouais, ils ont une belle forme. Ok, donc tu vois là, on a une, une espèce de terrasse qui est plutôt pas mal, je trouve. Moi, j'aime bien. Elle est un peu haute, peut-être. Hmm. Elle est un peu haute. Il aurait fallu les faire à un bloc en dessous. <laughs> voilà, alors, euh, oui, effectivement. 1, 2, 3, 4, 5, 6... J'ai mis à 6 blocs de hauteur, ça serait pas top. Faudrait les mettre à 5 blocs de hauteur en fait. Peut-être. Et faire un, un bloc en dessous ici comme ça. Ça pourrait être mieux. Voilà, je vais tester ça rapidement. Ok, donc là j'ai testé de les mettre à un bloc en dessous. Et ça passe un peu mieux. Ouais, c'est un peu plus sympa. C'est un peu plus sympa effectivement. Donc à 5 blocs de hauteur, hein, les, euh, les lamelles en bois comme ça. Ok. Bah donc c'est cool, et donc on va pouvoir ajouter une espèce de terrasse véritablement cette fois-ci, c'est-à-dire qu'on va prendre les demi-blocs euh, de bois de chaîne sombre par exemple, euh, ainsi que, que de quoi faire une table par exemple avec du, du quartz peut-être, le quartz c'est pas mal utilisé déjà. Bah non non du coup on a utilisé la neige donc le quartz on peut utiliser, ok et donc bah pourquoi pas voilà, faire des transats avec des blocs de bois euh, sombre comme ça, ok avec euh, voilà, avec euh, une table en quartz si j'arrive à la mettre, avec un escalier à l'envers et des demi blocs pour voilà mettre par devant. Ok, pourquoi pas. Moi je dis oui. Moi je dis oui. Moi je dis oui. Et alors du coup, on va aussi rajouter peut-être pourquoi pas une table avec euh, avec euh, des escaliers. Ok, un truc un peu plus classique ou un canapé d'angle par exemple ici comme ça. Voilà, avec euh, un autre euh, canapé dans le coin. Voilà, tout simplement, une table au milieu. Euh, avec des escaliers à l'envers et de la demi-bloc. Voilà, pourquoi pas. Ça, ça paraît bien, ça. Alors du coup, une fois qu'on a ça, du coup, il faudra mettre un minimum de sécurité quand même. Hein. Donc on va prendre les, les, les vitres en, en verre, comme ça, du coup. Pouf, voilà. Et on va les mettre sur nos bordures en neige du coup surtout le long de la de la terrasse hein, quand même voilà est-ce qu'il n'y a pas des trous non c'est bon ok donc on encercle complètement la terrasse hop parce que quand même sinon ça risque d'être dangereux ok voilà, ben, du coup on arrive à euh, euh, assez proche de la fin. Du coup, on n'a pas encore tout à fait fini, vu qu'il nous reste à mettre l'escalier au niveau de notre tour en verre. Euh, on va utiliser les escaliers en sandstone, hein, tout simplement. On va utiliser les demi-blocs, tu vois, ici en sandstone. Et on va euh, partir de là. On va partir de ce coin-là de la maison et on va mettre des, des blocs comme ça, des demi-blocs. Euh, jusqu'à atteindre faire un tour comme ça et atteindre cette partie là de la maison. Alors je vais regarder comment j'ai fait du coup... Hop, si j'arrive à passer sur mon modèle. Et on va pouvoir réutiliser les mêmes, les mêmes caractéristiques du coup. Hein. Euh, voilà. Pouf, alors j'avais pris combien... Tu vois, hein, donc c'est un peu ça, c'est l'escalier. Hein. On prend... Euh, hop, un espèce d'escalier de, de, hélico, hélicoïdal comme ça. Pour arriver au deuxième étage. Et donc du coup, j'avais pris combien d'espace sur chaque euh, demi-bloc Donc Là, il y en a deux, il y en a trois, il y en a 3, 3 2 3. OK, donc c'est il euh, y a des espaces de 3 entre chaque entre chaque marche finalement, trois blocs euh, par marche, entre deux et trois blocs par marche. Donc on va essayer de faire ça. OK. Pouf. Là, j'en ai mis que deux partout, ça risque de pas aller. Donc voilà, on va faire 3... Hop, 2 ici par exemple, puis 3, puis re-3, puis re-2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Mais on arrive nickel en plus. Tu vois, c'est impeccable. Donc tu prends deux fois des blocs de 3 de large, tu vois. 3 blocs, 3 blocs. Et après, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2. Voilà. Dans l'idée. Et après, il suffit tout simplement de prolonger les marches. Voilà, comme ça. Sur trois blocs de large, hein, ça paraît bien. Hop, comme ça, voilà. En évitant, enfin, en prenant en compte évidemment le fait que c'est quelque chose de, qui, euh, qui tourne, hein, donc forcément les, les marches n'auront pas tous la même tronche. Hop, pouf, 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 pouf. Voilà, parfait. Alors, est-ce qu'on a mis tout l'escalier Quasiment, en fait, ouais, quasiment. Donc, il nous reste l'espèce de plateforme à ce niveau-là. Ok, euh, ici on a une espèce de marche qui est un peu bizarre. Donc on peut faire un truc comme ça, ok. Non mais notre escalier il est pas mal, il suffit juste d'améliorer un peu l'aspect visuel du coup maintenant. Là par exemple dans les coins il est pas top. Euh, mais sinon il est pas mal notre escalier là dis donc. Ah moi j'aime bien. Ah ouais Ah elle est stylée la maison n'empêche <laughs> Moi j'aime bien la forme de la maison, franchement... Euh... Hop! Oui, oui, oui! Là, je sais pas ce que j'ai là au début, de la... au début de la vidéo, au début du tournage, j'étais fatigué, mais là tout de suite je me sens beaucoup mieux, je sais pas pourquoi. Enfin bref, c'est le fait de faire des maisons sur internet, sur, euh, sur Minecraft plutôt, ça, ça réveille. <laughs> Faites des maisons sur Minecraft, c'est la vie. Euh, franchement, moi j'aime bien cette maison là. Euh, ça me donne euh, envie de tester d'autres trucs comme ça. Il euh, y a quelques éléments sympas à retenir, n'empêche. Euh, voilà, avec les, les, la terrasse semi-couverte, l'espèce de tour pour l'escalier central de la maison. Voilà, reprendre des mêmes formes pour les empiler les unes sur les autres sur Minecraft. Non mais franchement, euh, je trouve plus mes touches pour avancer, mais euh, tout va bien. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous un très bon jeu, bon vent matelot, et à la prochaine.